Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc, on va reprendre les signes astrologiques pour le mois de janvier 2022. Donc, j'avais déjà mis en ligne le lion et nous allons voir taureau. Alors, je le mets là pour mes amis taureaux. Il y a des paillettes, les chats se sont amusés. Ils aiment bien la table, ils aiment bien les cartes aussi. Et voilà, je vais mettre ça là. Alors, taureau, on va faire avec les chiffres et avec l'oracle de la médecine chamanique pour avoir une idée. Quelle est l'énergie principale pour mes amis taureau, janvier? Il y en a beaucoup trop, je remets. Janvier 2022. Quel est le message pour mes amis taureaux? Allez, j'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous et que cette année sera la meilleure. Alors, taureau, janvier 2022. Hop là! Ben là, voilà! Nous avons la créature marine. Alors, on vous conseille de vous immerger. Immersion. L'immersion, c'est déjà se mettre dans le bain. C'est le cas de le dire. Par exemple, si vous voulez apprendre une langue, on vous parle d'immersion. Immersion, c'est... on peut le faire ici, on peut le faire dans tous les pays. C'est dans la classe, quand vous rentrez dans la classe pour le cours, n'importe quel que, peu importe la langue que vous voulez apprendre, vous rentrez dans la classe, eh bien, vous êtes déjà en immersion, ce qui veut dire que votre langue maternelle, eh bien, vous l'oubliez et vous vous cassez la tête pour dire bonjour à tout le monde et essayer de discuter avec tout le monde dans la langue que vous voulez apprendre. Bon, le mieux maintenant, c'est d'aller vivre dans le pays où vous voulez apprendre la langue. Parce que là, au moins, même pour aller faire vos cours, c'est H24, vous allez avoir la musique dans l'oreille. Voilà. Donc, il est conseillé à nos amis taureaux de s'immerger peut-être dans une situation ou dans une relation ou peut-être dans une formation. Allez donc savoir. Alors, on va voir quel est le numéro qui régit. Leur mois de janvier. Alors, l'énergie principale au niveau de la numérologie pour les taureaux, janvier 2022. Faut que je prenne l'habitude maintenant, 2022. Pour mes amis taureaux, quel est le chiffre, l'énergie du chiffre qui va les accompagner durant le mois de janvier 2022. Alors, on dirait qu'il n'y en a pas assez. Alors, c'est quoi? C'est le 22. Le chiffre 22. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Surpassement, la personne pourrait avoir besoin de mettre toute son énergie dans le projet, avoir envie de construire à plus grande échelle, vouloir mettre sa puissance, son charisme dans l'action et le travail, se tourner davantage vers le collectif, avoir plus d'ambition pour la communauté. Souhaiter se surpasser, aimer mettre son inspiration, son intuition et sa créativité au service d'un projet. Voilà pourquoi la carte de l'immersion. Comme ça, vous ne vous faites pas distraire non plus, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va tirer 5 cartes, hein. 5 ou 3, on va voir. Ça dépend du feeling. Allez, taureau. Quel est... Oups, on a déjà une. Tenez bon. Qui vous donne le conseil de tenir bon. Alors, pour mes amis taureaux, quel est le message à faire passer? J'utilise le tarot psychique. Alors, pour mes amis taureaux,
janvier 2022, quel est le message à faire passer à mes amis taureaux? Bon, ben, on en a trois. Ok. Ah, alors, on vous dit tenir bon. Début de la prospérité et attendre son heure. Alors, vous allez avoir la prospérité, mais ce n'est pas encore le moment. Ici, nous avons la carte du passage, du flambeau, de l'obscurité à la lumière. Et ensuite, vous avez le sacrifice. Et là, vous avez les ennuis. Ok. On va prendre un autre jeu pour avoir un peu plus d'explications. Bon, quoi qu'il en soit, déjà vous avez un projet en vue. On vous dit que vous allez avoir envie de vous surpasser et on vous conseille de vous immerger dans une situation, dans une langue, dans une formation, dans un travail, dans une relation aussi, hein. Alors ici, on vous dit tenir bon et là, on vous dit que c'est la fin de l'attente. Qu'est-ce qu'on a là? Début de la prospérité avec la carte de l'ordre. Et attendez le bon moment pour votre nouveau projet. Qu'est-ce que nous avons ici? Croyance, alliance, contrat, élévation. Tentation, hein, méditation, on vous conseille là, quand vous serez tenté par des gens qui ont une moralité douteuse, de pratiquer la sagesse et la méditation et vous serez béni. Et ça sera votre arme. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Je vais prendre le tarot des anges. J'ai ma nappe qui déconne, elle m'énerve. Voilà, hop, ça, c'est les chats, ça. Hein. Allez, pour mes amis taureaux, immersion, se surpasser. On vous dit de patienter et là, on vous dit quelques jours plus tard, déjà, que l'attente est finie. Et vous avez la carte de... la tempérance qui vous dit, ben, la tempérance, elle nous parle de petites sorties entre amis, de petits déplacements, mais elle vous dit aussi de trouver le juste équilibre au niveau émotionnel. Et on vous dit coopération et compromis. Attendez le bon moment, encore une fois. Alors ici, la carte, elle vous disait début de la prospérité. Et là, vous avez la carte de l'ordre. Peut-être mettre de l'ordre dans votre vie, dans votre situation, mettre de l'ordre dans votre travail. Et nous avons le cavalier de bâton qui vous dit que les événements sollicitent de façon soudaine votre attention. Et on vous dit de bien réfléchir. Alors, par rapport, et là, elle a volé, et qu'est-ce qu'on a? La roue. Les choses changent. Alors ici, on vous disait qu'il faut attendre le bon moment. Et vous aviez la carte du sablier. Et là, on vous dit par rapport à ce nouveau projet. Et là, on vous dit une période de changement positif est en route pour vous. Donc, une situation qui vous tient à cœur va connaître son dénouement ce mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le 4 d'eau qui vous dit que vous avez raté une occasion, mais qu'une autre se présente immédiatement après. On vous dit de prendre soin des autres et de vous libérer. Ben, le 6 de bâton vous annonce déjà une belle victoire à venir. Hein? Ok. C'est pas mauvais. Bon, allez, on va voir au niveau sentimental. Je vais voir avec l'oracle féerique, la guidance féerique. Bon, c'est pas mal, hein? Il y a déjà pas mal d'infos là. Bon, maintenant, on finit 2021 et on entame aussi 2022. Donc, voilà, on y est quoi.
En tout cas, vous avez déjà un nouveau projet pour cette nouvelle année. Et les choses changent en positif. Qu'est-ce qu'on a là? Ben, on a la joie, hein. L'attente prend fin. On nous parle ici de bon équilibre au niveau émotionnel et physique, hein. On vous dit coopération et compromis. Attendez le bon moment. Et là, on vous dit que vous avez la joie. La joie, la thérapie, le cadeau. Qu'est-ce qu'on a là? Danser avec la vie. Donc, il y a quelque chose qui va attirer votre attention pour ce mois de janvier, hein. Et apparemment, c'est le début de la prospérité, hein. Mais quelque chose va venir vous avertir, vous attirer votre attention pour vous dire qu'il va falloir faire attention du côté des cérémonies, des spectacles et des fêtes que vous pourriez donner. Ici, on nous parle de joie, mais bon, on va attirer l'attention sur une des petites fêtes que vous allez faire ou à laquelle vous allez participer. Qu'est-ce qu'on a là? Vision lucide par rapport à votre nouveau projet. Et là, on vous dit que les choses changent de façon positive pour vous. Et on vous dit de garder une vision lucide au niveau d'un nouveau projet, hein. On vous dit que vous allez apporter un nouveau regard sur la vie et sortir la tête de l'eau. Ok, bon, c'est pas mal ça enfin. Qu'est-ce qui vous arrivait, ami taureau? Allez, on va voir au niveau sentimental pour clôturer. Oups, directement le soleil. Allez, hop, c'est bon ça. Et qu'est-ce que j'ai là? Une carte qui s'était immiscée. Chagrin et larmes. Petite filoute qui s'était mise là-dedans. Alors, 31 avec la carte du soleil. Bonheur, joie, réussite. Et là, vous avez le succès. Et qu'est-ce qu'on a là? Avec les amis. Alors, bonheur, joie, réussite, quoi que vous entrepreniez. On nous parle d'amitié ici. Et là, vous avez le succès, la chance. Et par rapport à ce nouveau projet, bah, quoi dire, il n'y a plus rien à dire, hein. Le mois de janvier va se terminer en apothéose pour vous, amis taureaux. Ok, ben ça c'est le bonheur total, tant mieux. Voilà, je vais vous laisser avec ce tirage, amis taureaux, il est magnifique. Je vous souhaite encore une bonne et heureuse année. Apparemment, là, la vôtre va bien commencer dans la joie, dans le bonheur et avec un nouveau projet qui va vous apporter prospérité et tout ce que vous souhaitez. Donc, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de commenter si ça vous parle, bien sûr, et aussi de cliquer sur la petite cloche. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont été désabonnées de ma chaîne. Vérifiez que vous ne l'avez pas été, vous aussi, et recliquez si vous avez envie, bien sûr. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt!